sur le terrain. Ils reviennent sur le terrain. Get on it. Go. Yeah. Oui, je confirme. Ils sont là. Ouais, alors oui. Ils vont revenir sur le terrain là. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Casse pas les couilles. Qu'est-ce que vous leur avez dit quoi, putain, aux joueurs là? Mais j'aurais dit comme tout le monde que Noël c'est le 25 décembre, pas que c'est dans l'année. Après vous choisissez Pentecôte, mais m'emmerdez pas les fêtes où vous travaillez. Vous travaillez toute l'année, je veux pas la savoir. Les 35 heures, je m'emballe complètement les 35 heures. Moi je veux voir les gens qui bossent, les gens productifs. C'est tout ce que je veux voir, c'est tout ce que je veux dire. Parce que sinon on est pas l'heure, moi je les fous, vous comprenez? On peut pas se satisfaire. Les gens qui parlent rien de la journée, l'autre qui travaille comme des salopards. Il faut réactualiser les salaires, il faut volonner l'élément économique fondateur de notre société. T'es plein dans ton président. Je commence sérieusement à me casser. Oui, ouais, ouais. Je vais me renseigner sur ton sort. C'est ta dernière interview, je préfère te ouais, le dire. Ouais, ouais, moi aussi. Attention, les revoilà. Les Français et les Gallois. Ah là là là. 19-16, c'est le score. 3 points seulement, laissés pour. Les Français qui mènent. D'abord. Pour l'instant, ne sont pas véritablement les plus forts. Non, 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 pas les plus forts. Are you ready? Tout est ok. Deuxième mi-temps. Monsieur Balotage qui demande à toutes les têtes de liste. Ouais, de maintenant d'arrêter les sondages. Ouais, ouais. Les pipotages. Il doit y avoir un truc qui. Il y a un champ magnétique. Attention, ça repart, bordel de merde. Poussez-toi, madame, poussez-toi. Jackie, asseyez-vous tranquillement, vous êtes gentil. Jackie, arrêtez ça. J'arrive. Le match a repris, les gars. Ah oui, ben justement, dégagement tricolore, très loin, très 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 loin, ce ballon ne sortira pas, avec un petit peu de chance, ce sont les Gallois qui peuvent repartir. Ils repartent là-dessous. Oh yes, oulala, lui. Lui, il en veut, hein. Lui, il en veut à mort, il en veut, mais alors comme il faut. Sorti. Waouh. Edgar Davis. International Rugby Nation 6. Par-dessus le petit premier rideau défensif français, mercenaire, mercenaire qui échappe au premier plaquage, mais pas au second, et il livre quand même le ballon. Oui, et puis alors proprement au sol, pour Galtouze qui ouvre. Galtouze, yeah. Avec Bombard. Combinazione. Bombard qui met maintenant tranquillement le pack français. Ils arrivent quand même un par un, hein, les joueurs tricolores, Jacques. Ils sont pas souvent, je trouve, tu vois, en pleine cohésion. Ouais, hein. Il n'y a pas eu de changement, par contre. Hein. Ah, on commence pas à m'emmerder avec tes questions. Là, hein. Comme demain, au soir des élections toulousaines. Ah, il risque d'y en avoir quelques-uns, oui, effectivement. Et ça continue, Galtouze, le bord. Galtouze, le ballon est livré à Monique, qui s'écroule misérablement sur la pelouse. Et on continue. Intervention Charlemagne à l'intérieur, surveillé par la défense galloise, mais les Français progressent. On notait donc tout à l'heure, aux alentours de 17h15, donc ce ballotage entre Doust et Simon. Donc un match tout à l'heure que nous suivrons. Dire oui ou quoi? Match que nous suivrons donc. Oui, non, ça dépend des gens. S'ils veulent qu'on le fasse, oui, parce qu'ils n'ont pas tous canal. Et attention, c'est le France qui attaque. Ouh, le France. Oui, oui, oui. Pourquoi il a pas donné ce ballon alors qu'il aurait pu le faire? On est dans les 22 mètres gallois maintenant et ouverture, grand côté. Oh, oh, Schoenmann. Pas en avant, Schoenmann. Charlemagne, man, oh. Schoen. Ouais, pour faire ça après c'est assez misérable. Et ce serait une récupération des gallois qui se dégagent sous la pression mais qui se dégagent tout de même. Extraordinaire! Ouais. Équipe de France qui revient avec beaucoup d'espérance. Bon. Ouais. Qu'est-ce que vous aviez voulu dire? D'espérance ou d'expérience? Vous m'avez foutu le merdier là! Excusez-moi, on nous appelle. Allô? C'est impossible de l'empêcher soit de commenter en direct, comme on le dirait à la radio. C'est un message subliminal, sûrement pour continuer à commenter en direct à la radio, mais bon. J'ai pas compris ça, moi j'ai compris, cassez-vous. Ah bon? Ah, tu voulais du changement, et ben en voilà mon garçon. Ouais, tu vois. Ouais, ouais. Ah oui, qu'est-ce qui se passe là? Il y a la cahute qui rentre. Et la cahute qui avait été sortie la semaine dernière et qui rentre. Oui, oui, bah c'est normal, avec Century 21, ils s'entendent comme cul et chemise. Non, comme short et maillot. Pardon. Quelquefois tu abuses un peu. Hein. Bon, qu'est-ce qui se passe, messieurs? Là, on a un léger tambour sur le terrain. Faut dire que dans les vestiaires, voire sous les douches, la French douche,
dans le rugby, quand même, c'est quelque chose. C'est quelque chose, en fait, donc. Ballon récupéré par la formation tricolore, nous sommes pratiquement sur la ligne. Alors, on se dépêche, on est en plein match, mais on vous écoute. Allô, bonjour, fournisseur d'essais et de buts. Ah, donc vous avez des buts pour tout à l'heure, pour le TFC par exemple? Ah oui, j'en ai beaucoup, je suis très demandé. Alors, je ne sais plus, le TEF essai ou la France bute? Le TEF essai, voilà. Bon. D'accord, il y aura des buts. Ah ouais. D'accord, et bon hier. Je vous conseillerais de regarder Canal ou... Pas de publicité, s'il vous plaît. Non, Marc, c'est plus de la publicité, là. C'est une institution. On leur vit Vandy, alors. Allô. Privé. Monsieur, veuillez dégager la ligne, nous sommes en conversation privée. Enfin. On se rappelle tout à l'heure, pour l'instant, on a ce qu'il faut au niveau des essais, mais pour le foot, effectivement, on compte sur toi. D'accord. A tout à l'heure, mon grand. Ciao. Mon grand, ça y est, l'entier. Oui, c'est sûrement quelqu'un de grand. Je veux dire, pour être aussi généreux, je veux dire, faut être grand quelque part. Non, mais c'est pas ça, je veux dire, c'est que tu le connais, tu l'as rencontré, oui. Bon, tu couches, salopard. Non, je douche. Douche blasi. N'en prenez qu'une fois. Regarde-moi ça. Oui, il y avait mon cranberry. Ah, oui. Il a perdu le ballon, il a fait un en avant sur le placage, effectivement. Ce sera une mêlée pour les tricolores. Jacques, je vais te demander de revenir au jeu très rapidement. Sinon, j'appelle... Pas de publicité, hein. Pour des os. Gazeuse. Ça va sinon, les mecs? Oui, il y a quoi? Il y a un score intéressant, tout de même. Oui, y a le suspense hein? Est entier. Hein. Oui, là, on joue aux cartes, hein, par contre. Qui a les cartes? On cherche les jetons. Ok, vous avez les jetons, les mecs. Alors, ouais. La grande barrette, c'est 5. Le petit rond, c'est 1. Le tout petit rond, c'est 2. Tempo lent, donc, pour ces joueurs qui ont besoin de souffler. Oui. Souffler, je dis. On va peut-être s'envoyer un petit non. Petit jingle, hein, s'il continue à se lasser. Les joueurs se lassent, Jacques. Je pense qu'on va envoyer un petit jingle. Hein. Il y a beaucoup de coups de fil quand même. Ou alors pour nous faire un jingle peut-être. Radio Campus en direct. J'ai compris que le jeu était vraiment sorti de la zone des marécages le jour où il s'est mis à dire branlette et pignole 20 fois par jour. Nous prenons les érections et puis, le temps qui passe et les traces de tout s'effacent. Oublie Nostradamus. À Tchernobyl, tout est tranquille. Une poétisation, apparemment du débat public. Tandis que là, tu vois qu'on est en train d'intervenir. C'est la première fois que nous apercevons une opération de crampons en direct. Hein, Jacques? Première opération à crampons ouverts quand même. Et ça, c'est assez rarissime. La France va sortir ce ballon. Nous pouvons revenir au jeu. Oui. Ah ouais, mais il a été contesté. À mon avis, l'arbitre avait signalé un en avant. Oui, un en avant français. Oui, mêlé pour le Galois. Se rapproche. Et surtout, ils ont bien embêté la sortie française. Yeah. Il y a un problème pour sortir en France, effectivement, en ce moment. Attention, mêlée. Est-ce que vous voulez du... Oh putain! Du pâté de couilles! Non, merci, Jockey. J'en ai plein le cul. Ah, mais non, ça va pas, non? Arrêtez avec ça. Il est passé, lui. Il donne à l'intérieur, c'est magnifiquement fait, il continue, il progresse. On est plus très loin maintenant des 22 mètres tricolores. Oui, il faut qu'il donne au commerce extérieur maintenant, les Gallois. Allez. Il y a quand même une sacrée troisième ligne du côté gallois. Il y a deux joueurs qu'on voit beaucoup et un qu'on voit peu mais qui plaque à mort. La troisième ligne, Il est passé. Oh. Il est passé, c'est goal. C'est goal, goal, gallois. Tu vois, la troisième ligne depuis tout à l'heure, fait mal, c'est goal, goal, goal. Deuxième essai. Yeah, les Gallois, regarde-moi ça. Il va revenir à l'intérieur, voilà, là, il est passé, il est là, et c'est beau, c'est superbe. Petit ballon donné, goal. Yeah, simply goal. Simply ouais, red. Ça veut dire que les Gallois passent en tête, mon garçon. Les Gallois passent en tête. Ah ouais? Et ouais. En tête de liste, donc, les Gallois. Ah oui. Oh, voilà l'action de Françoise de Vérinas. En Vérinas, je vous le dis. Ce n'est pas elle. Ah, oui, alors là, ça veut dire qu'ils prennent. Là, ils prennent. Oh, 5 points d'avance. 5 points d'avance sur les Français. Ils sont maintenant devant. Magnifique, Jack. Magnifique. C'est vrai, je suis pas mal habillé aujourd'hui. Ah, 5, vous dites 4. 4 points d'avance pour les Gallois. 4 points. 4. Oh, bah, c'est pas grand chose. Ouais. Bah, comment ça, c'est pas grand chose? Bah, c'est pas grand chose. C'est plus qu'une pénalité ou un drop, en tous les cas. Un quoi? Loup drop.
Et la K8 là, qui à mon avis a été un peu pris sur le tout, hein, parce qu'il aurait dû pas laisser passer le troisième ligne. Hein, ouais, il devait être à... encore celui-là. Là. Il devait être à la cave. À la cave 8. Regarde ça, Jean-Louis Serre, magnifique récupération du ballon par les Gallois qui mène désormais 23-19. Mais oui, au Stade de France. Mais oui, humiliation. Au cœur du rugby. Il va être pris. Oh oui, il est pris comme il faut, l'affaire Dominici. Les avocats viennent immédiatement le secourir. Voilà, on peut sortir le dossier. C'est brûlant avec Charlemagne. Ouh, Charlemagne qui s'est fait légèrement repousser. On va essayer de partir petit côté pour les tricolores. On est vexé. Oh bah là, voilà, faut refournir du jeu. C'est effectivement peut-être le moment de nous rappeler pour nous fournir. De quoi? De jeu. Centurie qui essaye d'y aller seul, qui livre le ballon un peu délicatement. Les Français font du tout et de n'importe quoi avec Bombard. Ah, quand même. Bombard. Ouais, Bombard qui fait une... Bombard qui est ouvert jusqu'à 5h, hein, le samedi. Oui. Qui là, là permet quand même également troisième ligne français d'avancer. Seconde ligne. C'est une seconde. Écoute, c'est pas grave. On s'en fout. Combination avec la K8 une fois de plus. La K8 se fait prendre. L'arbitre va-t-il intervenir? Oui. Il revient à une position de hors-jeu des Gallois. Pénalité pour les tricolores. Là. Il n'y a qu'une seule ligne. La première ligne de Campus 05-61-21-64-05. Soutenez-nous pour savoir si nous allons essayer le TFC en promo tout à l'heure. Là, il nous faut votre appui, il nous faut votre appui. Oui, votre autorisation. Il nous faut votre vote. Votez au 05-61-21-64-05. Prenez votre décision en main. Voilà, pareil d'abord. Après la décision, ça viendra. Coup de pied pour les Français. Oui. Hein, oui, Jacques, donc pénalité, donc. Coup de pied pour les Français. Alors lui là, il est quand même dans des dispositions psychologiques des plus faciles. Alors non. Si ce vôtre là, effectivement, il peut y avoir un drame qui risque de se jouer sur cette pelouse. Regardons ça ensemble. Le ballon a-t-il passé entre les barres? Oui, le ballon était passé entre les deux barres. Et la France revenait à un point seulement de l'équipe de Galles. Mais la France était toujours menée. Qu'est-ce qui se passe, Jackie? Vous étiez à l'anniversaire de la Trousse-Cou hier soir ou quoi? Regarde ça. Les Gallois sont sur le renvoi dans les 20, pratiquement aux abords des 22 mètres tricolores déjà. Avec celui-ci qui s'enfonce, qui livre bien son ballon. Et oh, le retour et le drop! Arrête un peu. Joli drop du docteur Jenkins. Ah oui, beau goal. Et tu remarqueras que c'était sur un ballon renvoyé que normalement les Français avaient capté, immédiatement libéré, et position de drop, et c'était un goal. Beau goal, et ce n'est pas le premier. Ah, regarde, on inverse les chiffres. On inverse les chiffres parce que les chiffres étaient mal placés, toi. Et donc on change les chiffres du joueur, c'est pas mal vu de la part des Gallois. Come on, baby. On fout le foutoir. En foutoir, quoi. Ah, sortie du centre gallois, il est remplacé par un autre qui centre aussi, alors je vais te dire ça, Jacques. Yes, vous me l'avez dit, David. Je vais le bloquer quand même. Alors tu vois, le ballon n'a même pas fait les 10 mètres, encore une erreur du côté français qui est désormais mené 26-22. On sent la panique un peu, hein. Oui. On sent la légère panique, le questionnement profond du côté tricolore. C'est pas bon signe. La panique l'a passé par là, elle repassera par là. Hey, yes, man. Allez. Non, mêlée, pardon. Pourtant, mêlée, bon, ils sont pas explosifs, les Gallois. Ils ont un peu de mal, mais quand même, ils tiennent et ils sortent le ballon. Regarde-moi ça. Proprement. Ouais, tentative de chose. Oh, merde. Mais. Récupération de l'affaire Dominici qui donne à Charlemagne. Présent sur le contact. Et là, l'impact. Ça continue, est-ce qu'on peut y aller? Oui, il livre bien, ça va, le Stratocaster pour les tricolores. Stratocaster, il a perdu la pénalité, oui, il a conservé le ballon. Pénalité, Yas, pour les Gallois qui vont se dégager. Mais il joue vite. Oui, on n'était pas à 10 mètres du côté français, mais ça fait rien, l'arbitre d'être joué. Ouais, Jenkins, Dr. Jenkins, qui livre bien son ballon pour le partenaire qui progresse. Oulala. Un agriculteur, au moins. Sa rue. Oui, oh lui encore, il est passé, encore le donne. C'est magnifique, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il est passé, c'est goal, c'est goal. Yes. Oh la Wild Walker. Ouh là là, comme ils jouent les Gallois. Les Français ne font plus la loi. On n'a jamais joué comme ça. La tannée qu'on va recevoir chez soi.
Ouh, c'est quelque chose, dis donc. Croisement de passe, redoublement, prise d'intervalle, il y a tout, allô. Oui, sur cet essai, madame, Douste Blasi souhaite faire une déclaration. Je me fous qu'il soit là ou ailleurs, qu'il remplisse telle ou telle fonction m'indiffère. Je me fous que sa médiocrité soit, au regard de la société, plus ou moins légitime. C'était une déclaration, mais je vous rappelle que les sondages et les interventions politiques sont désormais... clos. Close. Regarde, non, clos, puisqu'il y a les sondages avec. Ouais, mais ce sera le masculin, ça l'emporte toujours à la fin. Ouais, c'est un peu pénible. Tiens, transformation en plus, tu vois, voilà, ça t'apprendra 7 points de plus. Or là, tiens, passez-moi la calculatrice, les mecs, parce que là, j'ai un léger problème. Jean-Louis ! On arrive sur l'image qui permet à la voix off de continuer. 26 et 7, ça nous fait 33. 33-22, c'est joli comme score. Hein. Ça sonne. Où ça ? Encore ? Anglo, ça sonne. En gros, pardon. Ça fait 13 points, ça veut dire pratiquement 2 essais transformés, mon garçon. Ah non, 11 points, putain, je me déchire. Alors oui, merci. Les gars, revoyez vos maths un peu avant les rugby, vous le savez. Hein, avec le rugby, on passe souvent au-dessus de 10. Bianco. Dr. Jenkins qui balance le plus loin possible pour envoyer les Français dans leur camp. Et ceci, que vont-ils faire? Ils contre-attaquent. Century 21. Oh là là, le pauvre. Ouais. Oh, le pauvre type, il y est allé tout seul. Il s'est fait, là, oui, en plus, hein, pénalité. Pénalité pour Gao. On a bien perdu aujourd'hui. Et à mon avis, là, ils vont la tenter histoire de... Ouais, ils ont la gueule des bois. Effectivement, c'est surtout lui, là, hein. Pénalité, on l'a tenté. Oh là là. Oh là là. Oh là. Qu'est-ce qu'on prend, les noms? Oh, le docteur. Intraitable. Oh non, mais là, ils viennent carrément nous brosser, là. Ils viennent, hein? Oui. Hein? Ils nous brossent, ouais. Oh là 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 là. Écoute, je vais... Tant pis, hein. L'oreille, s'il y a quelque chose, je te réveille. C'était Jean-Paul Aron. Tu peux le réveiller, hein. Qui a joué devant tout le monde sur l'homosexualité. Tentative de pénalité du côté gallois, bien sûr. Nous sommes maintenant tous en train de pleurer. Il n'y a pas un quart d'heure que nous jouons et nous en prenons de tous les côtés. Il est là, il se prépare, il n'a jamais rien manqué. Il est magnifique. Vous savez quelque chose, qu'est-ce que c'est? C'est goal. C'est... Ah non, il a loupé, Jack. Oh, il l'a loupé. Fuck. Oh, shit. Ah, merde. Putain. Non, il a pas c'est dit tout putain, ça. C'est putain, la merde. Traduction simultanaire. Et bon. Attention, donc. Est-ce que vous voulez encore du salsifis, Jacques? Non, ça suffit. Ouais. Merci. Relance de la cahute qui a quelques trucs à se reprocher quand même. Oui, gagné. Bon petit renvoi gallois. Et regarde, il y a encore une connerie du côté tricolore. On est parti quoi avant? Où il était sorti. Oh là là, ils se mettent minables. Moi, ils se mettent minables. Je crois qu'il ferait mieux d'arrêter le match avant. Ah mais... ouais, là il faut clore. Il faut tout arrêter. Hein. Il faut arrêter le match, hein. Il y a un deuxième match derrière, on va pas s'en. Vas-y, ouvre! Oui, c'est ouvert, impact de nouveau. Il avait tenté de passer l'intervalle, tranquille. Lui essaye d'y aller, c'est le plus discret des trois. Mais quand même, je veux dire, il fait son boulot et on continue. C'est pas le joueur cette fois-ci, non, c'est par-dessus. Par-dessus? Oui. Oui, c'est par-dessus. Pas. Petit coup de pied qui. Sortira! En touche. Ah, il domine ici, les Gallois. Et il gagne là! C'est quand même ça qui est extraordinaire, magnifique, le joueur gallois qui sont en train de mettre les Français sous pression, sous terrible pression, pression financière, pression médiatique, mais pression barre. Mettez-moi deux, Jackie. Et attention, que dit ce joueur? Lui aussi se lasse un peu, mais ça y est, c'est terminé, il se reprend immédiatement. Et là, Jean-Louis me fait un plan large. Jean-Louis, je te demande un plan large. Je le paye. Je sais, je te donne des sous. Merci, Jean-Louis. Prise de balle, non, même pas propre du côté tricolore, si, heureusement, pelouse. Mais il est seul, blues. Il est tout seul, il est tout seul, mon pauvre. Et en plus, il s'est fait retourner du mauvais côté. Oh là 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 là, le ballon est sorti pour les Français, c'est incroyable. La cahute qui se loupe un peu sur le coup de pied qui va sortir directement, bon, c'est pas GG. C'est un cacou de pied. Beaucoup de risques pour pas grand chose. Effectivement, c'est surtout un ballon rendu au gallois, pratiquement, Jacques, hein, donc c'est pas forcément une bonne opération. De le reprendre.
n'aurais jamais eu l'idée qu'on pût parler si simplement. Parce que tu trouves que tu parles simplement, toi. Un peu lent. Alors. Ballon. Ballon gallois touche pour ceci. Il mène 33-22 ici au Stade de France. Après avoir marqué 3 essais, Jacques. Tout de même. Tout 3 de même. Et des beaux, je veux dire. Ah oui, souvent. Hein? Souvent, de la belle offensive. De la passe sympathique. Alors on joue ou quoi, merde? Ça vient. Est-ce que nous écoutons les derniers sondages? Ils attaquent encore, ils attaquent, ils progressent et chaque fois ils jouent vite. Jacques, ils sont magnifiques. Les Gallois. Ah oui, ils sont magnifiques. Hein? Regarde-moi ça. Oh là là, la marée rouge. Ce qu'il en met, c'est reparti. Peut-être là, combination, on pense, on essaye. On vient percuter, on vient provoquer, mais le ballon, on le met juste sur le côté. Un peu gourmand peut-être, et les Français peuvent repartir, et yes. Oui, ça peut relancer cette équipe de France, ouais, normalement, jamais. C'est le genre de ballon qui peut aider. Mais regarde, 4-5 qui sont sur le même joueur. Sur Fender, oui, le solo. Avec cette fois-ci, Galtouz, qui s'échappe. Galtouz, bouim bien, Galtouz. Oui, mais c'était seul Monique, c'est bon. Again, go. Des salles, Bernard, go. Et oui, c'était un ballon récupéré, les plus faciles et les plus dangereux à jouer. Et ce fut fait, mais maintenant il reste à le transformer. Yes. Si on veut vraiment se rapprocher. Yeah. La France est toujours menée, mais la France vient de marquer l'essai. Vous espérez. Jolie combination avec lui qui revient à l'intérieur. Plaquage, libération rapide du ballon. Galtouz qui s'échappe à fond. Monique à l'intérieur et encore quelqu'un derrière. C'est Sanchez qui ouvre. Bernard. Wow. Essaye, on peut encore rêver. Et c'est français. Bien fait. Ah, yeah. Joli, Sanchez qui est venu s'intercaler comme il le fallait. Qui livre à Sal Bernard le ballon de l'essai. Yeah. Ben, il faut qu'il soit molesté un peu quand même, hein, pour se mettre à jouer. Et encore, c'est sur un ballon récupéré. Genre, c'est pas vraiment sur une offensive classique. Allez, la transformation, on va la souhaiter. Et let's go. Ah yeah, c'est rentré. Let's go. Et la France revient à 4 points. Allô, vous êtes en direct dans Sportaz. Les femmes à poil. À poil, les femmes. Les femmes à poil. À poil, les femmes. C'est profond. Ouais, c'était un message du comité des plumes. Oui, d'accord. Dans le 15e. Que se passe-t-il là, Jacques? Récupération tranquille. Ah, changement. Ouf, changement. Cali. Non, pas Cali, non. Ça, c'est un troisième ligne qui est rentré. Alors, est-ce ouais, Monique c'est si tu veux. Sortie, récupération française. Ouh, la France récupère là-bas. Le Century qui livre un partenaire. Allez, il faut qu'il se mette à jouer maintenant. Mais ça, apparemment, c'est le cas. Ah, bah oui. Charlemagne qui se met un petit coup de pompe à suivre pour lui-même. Récupération de la défense galloise. Oui, mais elle est sous. Il récupère le ballon et le joueur, il a pris. Attends, normalement, il doit pouvoir le laisser. Ce ballon va sortir, il est là. Et s'il est récupéré par les Gallois. Dr Jenkins, histoire de ne pas s'exposer, il balance là-bas sur le petit côté. Mais l'affaire Dominici relance. Oui, enfin, ils sont deux, hein. Century avec. L'affaire Dominici. Oh, Jean-Louis, fais attention à ce que tu fais. On croise, ça y est, on commence à jouer du côté français. Touche. Dommage. Oui, enfin, ils essayent, hein. Ils courent beaucoup sur le côté, mais ça avance pas beaucoup quand même, hein. Ils font semblant de jouer, quoi, je veux dire. Tu comprends ce que je veux dire? Pas vraiment, merci, Jacques. Ouh, ha, ha. 33-29, ici, au Stade de France. Yeah. Tandis que arrivent encore des sondages. Arrêtez avec ça. Pourquoi? Nous n'avons pas le droit. Ballon gallois. Bien négocié, Dr Jenkins qui ouvre. Lui qui va tenter de prendre juste. Bienvenue sur Ainsi se déroule. Merci de vous être à pas contact à l'installation Pony sur votre ordinateur. Bien. Celle roulera en plusieurs étapes. Pony. Problème, n'hésitez pas à acter. Vise. Bon, d'accord. Écoutez, hein, on va peut-être mettre en touche. Non, ce ballon sortira directement. Il ne veut pas chaud. Sortir ce c'est ballon, chaud. Il est bien Century, dans le jeu. Century qui relance. Ouais. Ouh, il était seul et Century, là, il va être... Il faut qu'il livre ce ballon, qu'il le lâche, sinon il sera pénalisé, mais la France le sort. Galtouz. Non, on dégage, Galtouz, les gars, tranquille, voilà. Seul Bernard, chaud, pour une touche. Oui, c'est bon, touche.
Mais bon, il faut pas qu'ils en soient réduits à défendre. Hein. Je te rappelle qu'ils sont toujours menés quand même. Ils sont censés aller chercher la victoire. Ouais, ouais. Et comme le TFC qui va peut-être défendre en D2. C'est possible. Ils seront suivis par RMC. Ouais, ouais. Il y a la D2 dans l'air. MC. Tout touche pour les Gallois. Petite touche pour les Gallois. Pour l'instant, ils ne s'affolent pas. Jean-Louis non plus, regarde-moi ça. Joli Jean-Louis. Joli Jean-Louis. Négociation entre les deux parties. Ah oui, là ça négocie pour savoir qui va au débat. Ça va être dur. Hein. Tu veux aller au débat? Voyons si je te mets un peu dans l'œil. Là, non, pas dans l'œil, t'es con. Oh putain, il est con, t'es con, hein, dans l'œil, merde. Ça fait mal. Que se passe-t-il? Est-ce qu'on peut... Troisième étage. Merci. Touche détournée, joliment parlé. Un joueur gallois, l'arbitre va-t-il intervenir? Ouais, il intervient puisqu'il y a eu un contact entre deux joueurs gallois. Un était devant, c'est celui qui n'avait pas le ballon et il n'a pas le droit. Confirmation. Oui, non, mais arrêtez là-bas. Sortez du freezer. Quelques gallois qui ont bu un peu. Sortez du freezer, monsieur. Oh, bombard, non, c'est l'autre. Confetti. Confetti. Kiki, c'est le Kiki qui fait ça. Il a bien tenté de la remettre, mais il a été pris. On est dans les 22 mètres. Il est allé très vite avec Charlemagne et l'affaire Dominici. Puissance. Kiki, le ballon. Bien fait, ça. Allez, on y va. Au fond. Oh, Calif. Non, c'est Peter. Peter Stratocaster maintenant. Elle est le Calif. Galtouz, on est dans les 22 mètres. Galois, vas-y, Kiki. On est même à 10 mètres là-haut. Hein? On est à quelques encablures de laisser. 5, pas loin du tout. Si on avait un joueur qui fait 5 mètres, il aurait plus qu'à plonger. T'es et comme bien. Ça, il marquerait. Quoi. Oh, bah alors, on va le faire pousser, le gars. Il faut les travailler. Ouais, ça. T'en veux, Jacques? Oui. Oui. Oui, ça. Que dit l'arbitre? Est-ce qu'il a signalé quelque chose? Une pénalité? Un en avant, une mêlée, coup franc, pénalty, but corner. Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Magnifique. J'espère que ça vous plaît. Non. Je peux pas vous dire. Pour l'instant, monsieur Balotage hésite. Monsieur Balotage hésite, se pose des questions. Et c'est pénalité, Jacques. C'est pénalité pour l'équipe de France. Pénalité qui nous rapprochera à combien là? Je ne vois un plus point. Le score. Un point. Tu vois la télé quand même? Regarde, je fais ce que je peux avec mon appareil. Ah, un bateau qui arrive, les mecs. C'est le pied bateau. C'est le matos. Attention. Oui. Pénalité pour la France. Jean Galfion qui va tenter ce 5m80. Après Kiki, il mate à mort. Hein, il mate à mort. Les oui, poteaux. Oui. Et là, il se déchire. Il se fait dedans. Il se met dedans, c'est goal. Yeah. Goal. One point. Ce qui veut dire que l'équipe de France revient maintenant à un seul point de son adversaire. Nous sommes à 33-32. Pas loin, docteur. Sacré score, 33-32, hein. Oh, l'autre il se fout dans le travail. Ok, doc. I'm ready. We are ready. C'est reparti. C'est reparti entre les deux formations. Un point seulement laissé par tout ça pour un point. C'est fou ce qu'ils pensent. Ils peuvent y penser comme énergie, Jacques. Et c'est reparti avec Bumba qui met juste derrière. Tranquille, Galtouz qui ouvre maintenant pour la cahute qui croise intelligemment à l'intérieur avec Boubou. Boutsen qui avait démarré mais qui a été immédiatement pris. En troisième. Ouais, et c'est encore lui, la bomba. Bomba qui la donne, et là c'est goal, confetti. Pas finito. Il a fait un en avant. Avanti, un en avanti. Ah ouais. À bénéfice des Gals. Ça sera une mêlée pour les Gallois. Mais là, une fois de plus, il a eu du mal à aller au bout, même si Bombard l'a fait fine. Oh ouais, c'est la tournée de Bombard. Ouais. Regarde-moi ça, lui non, quel dommage, alors qu'il était quoi, 37 cm de la jouissance. Il faut marquer. Oui, monsieur Phelps. Que sera-ce? Touche, mêlée, c'est une touche. Elle est pour l'équipe de France, hein, c'est curieux tout de même. Belle prise. Il progresse 1 mètre maintenant, il faut ouvrir par-dessus le parquet de joueurs. Il faut ouvrir, sinon tu vas te faire bousculer, yes.
Come on, tout à fond. Non, voiture, on prend des risques, hein. Ben non, il fallait la transmettre plus haut ou loin, c'est tout plus au large, Teval. Qu'est-ce que ça veut dire, pénalité? Non, mais elle est signalée par monsieur Balotto. Ah, ça, Jacques, non. Non. Merci. On a fait une connerie, Jacques, alors qu'on était en position de marquer. Non, Dr. Jenkins, dégage! Dr. Jenkins qui a balancé l'ordonnance hors de portée des patients. Arrêtez-moi ça, là. Putain, c'est Jacques qui scratch, les mecs. Écoutez, Jacques au scratch. Ah, quand même, hein. Avec la main gauche, hein. C'est pas sa meilleure. Attention, les gars, il y a une touche pour les Gallois. Oh, qu'est-ce que c'est? Il y a un truc qui est passé en travers. Ouais. Touche galloise. C'est Belle c'est prise. Ils progressent, ils sont maintenant dans les 40 mètres tricolores et ils continuent quand même de faire du jeu. C'est ça qui est quand même assez hallucinant de la part de cette formation. Physiquement, ils sont en forme. Oui, ils mènent d'un tout petit point 33-32. Oui, et là, ils vont obliger les Français à défendre, à défendre, à défendre. Ils vont remettre du jeu, du volume, du temps de jeu, du ceci, du cela, et ils pénètrent. Eh oui, on recule. Ah oui, ils sont là. Il a pu donner son ballon, c'est fait. Bon, alors les Français. Ah non, ils l'ont pris, récupéré bout de scène. Century 21. Crochette, hein. Hein? Il crochette. Crochette. Eh non, t'es dépassé, c'est Galtouz, c'est pas. Galtouz, il va tout seul, mais non, il y avait un petit copain qui est rattrapé. Je sais pas ce qui est arrivé là, il y a une espèce de camion qui est arrivé en plein dans le carambolage. Et ça continue pour les Français qui vont sortir le ball. Yes, c'est pas Galtouz, c'est Charlemagne. Oh là, par contre, ils ont fait encore une fois une faute de poussin. C'est dégueulasse quand ils jouent comme ça. Oh, c'est pas possible à votre âge, messieurs, de faire des bêtises pareilles. On aura pas donné le goûter ou quoi? Tu vois que c'est l'heure? Bah écoute, les gars, je pense qu'ils ont un petit creux là. C'est vrai qu'ils ont un petit creux. Quoi, dans la tête vide? We need to accelerate the approval process. Passez-moi le responsable, s'il vous plaît. C'est moi, Jacques, le responsable de cette émission. C'est moi, le qui. Oh. Changement, les gars. On peut causer quand même. Je suis très inquiet, il y a du changement. C'est-à-dire? Il y a un maillot qui ne plaît plus du tout à la télévision. Voilà, on vire ce maillot. C'est vrai. Qui est sale, qui n'est plus dans un bleu traditionnel. Et on fait entrer un maillot magnifiquement propre. Et on défend l'exception culturelle française, toujours plus que jamais, sur tous les terrains. Oui, la propreté. Oh. Et jingle. Oh merde. Elle sent un peu comme du dance foot. Ça swing pendant 2 heures durant. Très bien. Et c'est une émission que vous l'aimez beaucoup. Et ouais, c'est. Ouais. Ah ouais, c'est. C'est quoi? Ah ouais, c'est. Sportaz, ouais, c'est ça. Pénalité. Pénalité. Non, vous pouvez laisser là. Ouais. Ah, vous, bon, alors. Si vous changez, faites comme vous voulez. De toute façon, on ne dirige plus rien. Nouvelle ambiance. Combien il y a 34 minutes de jeu, tu dis, toi, ou 31, 32 33-32. 33-32 au score, 34 aux minutes. Pénalité pour les Français qui vont pouvoir repasser devant. Ma, what a suspense. Oh, la caméra de Jean-Loup, elle est aérienne aujourd'hui. Pas pour moi aujourd'hui, Jean-Loup. Je suis malade un peu, là. Jean-Loup, je vais vomir. Non, c'était joli, c'était bien essayé. Un travelling latéral. Vaut mieux ça que Travelo. Allez, qu'il y ait une petite pénalité pour ce jeune joueur. La cahute, bien sûr. Ouais, 3 sur 3 pour l'instant. Ouais. Et il joue pour 10 000 francs. Oui. La quatrième question. Ça, il est tendu. Hein. Pour 10 000 francs, il est quand même vachement tendu pour 10 000.
pour 10 000. C'est parti, cette fois-ci, on dirait que c'est, on dirait que c'est dedans. On dirait que c'est goal. Oh, ici le Stade de France. L'équipe de France repasse devant. Oh, Astumbato Pichoun. Eh oui, c'est incroyable ce petit 35-33 match. Maintenant, 35-33, qui l'eût cru? Oui, mais on est toujours à un coup de pied des Gallois maintenant aussi de perdre du coup. Et on va avoir la peur dans le ventre comme on dit. Attention, en avant signalé par monsieur Balota, ce sera une mêlée pour les Gallois. On va, c'est vrai, jouer avec les fesses légèrement serrées du côté tricolore parce qu'on n'est pas à l'abri ni d'un drop, ni d'une pénalité, ni même, Jacques, d'un coup de fil. Radio Campus, on vous écoute. C'est vrai ça, au cas où la France perdrait. Pour la Marseillaise. Oui, c'est pas certain c'était d'ailleurs. C'était pas lui? Non, il est dans la boxe lui, non? Il est pas dans le rugby. Bonsoir, ça arrive maintenant. Oula. De partout. Ouais, et oui. C'est... Les candidats sont en campagne et donc ils viennent dans l'émission saluer tout le monde, serrer les mains. Oui. Ça sent le deuxième tour, les mecs. Ça sent tout à l'heure... Sorti avec Jenkins, qui, docteur, qui donne à l'ordre une fois de plus. Oh là là, lui, il a fait un boulot monstrueux, docteur Jenkins. Yes. Les Gallois, et passe une passe au good, Jacques, pour good. Ce n'est peut-être pas le moment pour la formation tricolore de reprendre un essai dans le gueule. Ah, ça nous refoutrait le moral en bas, c'est clair. Déjà qu'il n'est pas très très haut quand même, ils ont eu du mal à se le remonter. C'est parti, docteur Jenkins qui ouvre, ils sont deux, trois, peut-être un petit surnombre. Ah, oh, dommage. Juste avec le pied. Allez, donne-le, laisse-le, sinon tu vas te faire pénaliser. Ouais, c'est fait. Où il va, lui? Où il va? Il est fou, non? Il est taré de repartir là où il y a personne, où il peut pas passer. Qui récupérera cette balle? Ce sont c'est les bon. Français, merde! Avec Thunder. Avec Stratocaster. Stratocaster qui attend les partenaires, c'est Galtos qui livre la balle à la cahute le plus loin possible. Il faudrait que ça sorte. Il aurait dû l'envoyer dans les tribunes d'honneur. Ça ne sort pas, c'est une relance galloise avec John Peter R. William Seinfeld. And Co. Ils sont nombreux, normalement il y a deux autres joueurs qui sont prêts à le remplacer. Et là c'est récupéré par Century. Century 21, on s'est presque gêné du côté français, mais on peut la jouer. Allez les gars. Allez, encore allez, un coup de gars. Pied, mais là ce coup-ci un bon s'il te plaît. Et non, toujours pas. Mais qu'est-ce qu'il veut lui? Si quand même que là il envoie là. Qu'est-ce qu'on fout là les mecs? Allons, remonte. C'est reparti pour la formation galloise avec John Jones qui vient provoquer la défense française. Qui va libérer le ballon pour ses partenaires. Si c'est le quart podium, vous nous prévenez, les gars. J'ai organisé une petite sauterie à l'occasion de ce match. Oui, ça saute, hein, c'est clair. Nous apprenons comment ça valse. Merci, Jackie. Pendant ce temps-là, il y a un terrible accouplement de plein de joueurs sur le terrain et l'arbitre est intervenu pour dire quoi? Il n'y en a plus. Café, voilà, il le dit lui-même. Il n'y en aura plus d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est fini pour le café. Nous arrêtons le café? Voilà. Ah, bon. Aujourd'hui, chez vous, arrêtez le café. Arrêtez de taffer. Donc on discute. Chez vous. Fait rentrer Bulthor. Bulthosaur. Bulthosaur rentre donc pour la formation galloise. Et à mon avis, c'est pas bon signe pour les Français. Ouais, là, ça va nous laminer. Pénalité, non, mêlée. Elle est pour les joueurs Celtes qui sont désormais menés. Hein, 35-33, ne l'oublions jamais. La cahute qui récupère. Avec Confetti. Ah, Confetti, ouais. Là, il a voulu y aller tout seul, mais cette fois-ci, quand même. Oh, Bully est tombé sur le Bulthosaur. Il a fini. Il a fini en 1000 morceaux. Ah, d'entrée, il est tombé sur Bulthosaur, et là, c'est quelque chose. Est-ce qu'on peut revoir le ralenti, Jean-Louis? Parce que vraiment, il me semble que ça a été une phase particulièrement intéressante. Jean-Louis, tu ne me parles plus. c'est comme ça. Dégagement du docteur Jenkins qui va mettre sa formation le plus près possible de la ligne d'en but française, bien sûr, Jacques. Oui, car pour tenter le drop. Il faut rattraper deux points, donc un drop à trois points, effectivement, et on repasse devant, côté gallois. De combien? De trois points. Et non. Deux points de retard, un drop à trois points, ça nous fait. Deux points, plus un. T'as pas plus simple. Oui, Jenkins. Oh putain, alors. Ça continue, le drop, il est là. Il est là. Si. C'est gros. Oh.
magnifique Europa. Des Gallois. Droopy. Truck. Un droopy. Truck. Entre les barreaux dessus de l'autre, ça fait gros. T'en vois pas. Qui va récupérer ce ballon, Jean-Louis Serre, ce sont les Gallois par-dessus. Non, cette fois-ci, il était anticipé, il s'est fait contrôler, mais you'll bring quand même. Le contrôle de la balle. Oui, Bulldozer, s'il vous plaît, je cherche Bulldozer. 36, Jacques, 36, 35 pour l'équipe de Galles face à l'équipe de France. Il reste rien du tout à play. Oui, Fabien Barthez qui récupère cette balle. Centurie qui tente d'y aller, mais cette fois-ci, là, il est tombé face à 4 Gallois. Il faut qu'il libère la balle, c'est fait. C'est fait, on rejette le ballon. C'est pas Galtouz, mais ça continue. La cahute, petite passe pour Boutsen qui perd la balle. Dans le camp français, c'est dangereux. Non, il se bat encore. Ah, l'arbitre interviendra ou il laisse le ballon. Non, il va rendre, me semble-t-il, le ballon au Gallois, Jacques. C'est pas possible. Ça joue très vite. Par-dessus, ne sort pas. Yes. Very good play. Ooh, yeah. Oh, quel coup de pied encore du Doc. 36, 35, man. Allô. Allô. Allô, bonsoir. Bonsoir, je sais pas de quoi vous a passé du match, mais la France, ils sont aux fraises, là. Aux fraises ? Oh oui, c'était la défense. Ils sont bidons. Ah, d'accord. Vous avez compris ? Nous sommes d'accord. Ah oui, on a compris, ils sont bidons. Bidons. Voilà, exactement. Faudrait mieux de faire du cyclisme. Eh bien, on transmet. Voilà. Ok. On va les inscrire au ping-pong la prochaine fois. Et tu votes pour le match tout à l'heure, pour le TFC ou contre le match ? Ah, bien sûr, Bonilla, Prunier, tu compagnie, votes pour, d'accord. Ok, n'oubliez pas de voter pour que nous fassions ce peut-être dernier match du TFC. De la vie. De la vie du TFC, oui. De la vie de mourir tout à l'heure ce soir. Un moment terrible, il pourrait y avoir du changement. Visiblement, il y a une pénalité pour les Français, mais comme ils sont dans leur 22 mètres, ça va être un peu délicat pour la tenter. Et donc, c'est parti, la cahute va essayer de rapprocher le France de l'embu. Beaucoup de pompes qui sort en touche. Les Français vont pouvoir récupérer du moins la jouer. Ok. C'est pas fait, Jacques, c'est pas fait. Oh là 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 là. Eh oui, on compte sur toi pour marquer le dernier point, Kiki. Il te faut du drop. La cucute, la cabute. Oh, Bulldozer, il est là, Bulldozer. Non, il attend que ça, il regarde sa proie. Vaip. Récupération tricolore, on progresse, on passe juste la ligne des 40 mètres, et puis c'est là. Il joue plus, Blanco. Oh, la transmission pour mais récupération, Gallois, super récupération. Ouais. Pleine de volonté, d'altruisme, d'abnégation, d'envie, de joie de vivre. Vive Galles. Et abat la France. Oui, ah oui. Oui, ça fait contre Bernard, comme il a fait un truc là. Il a fait un truc, en plus, il a donné la qui nous met dans la merde. C'est de la merde. Nous pleurons, vous pleurez. Il pleut des essais. Ça fait un an, il avait bien joué le coup pour la petite relance, mais il s'est fait confisquer. Là, ils étaient 2-3 en soutien. Le ballon ne sort pas, et puis tiens, voilà. Cette fois, c'est bien terminé. Les Français se sont fait taper. Oui. Le mot est faible. On peut pas dire que les Gallois ne l'aient pas mérité. C'est eux qui ont fait tout le jeu, qu'est-ce qu'ils ont joué. Les Gallois, au moins, eux, l'ont fait. Vivre le ballon. Ils vont tous se faire virer, tous de l'entraîneur au pilier, tous se faire virer, tous. Oui, ou passant des deux avec le TFC. Et changeons les joueurs à l'eau. Allô, la cabane est tombée sur le chien. Ah, oui, ouais. Vous êtes trompé, monsieur, c'est pas le numéro de France 2. Mais excusez-moi, j'ai dû me tromper, je suis bien sûr un duo en plus. Mais regardez, il se permet le luxe. C'est une défaite. Ah, une sale défaite. Allô, non, c'est foutu. Je dis à tout le monde, vous pouvez arrêter de regarder, c'est foutu, c'est fini. Vous êtes pour ou contre donc le match du TFC juste après ce match? Ah, pardon. Encore abstention. Qui est toujours là? Non inscrit. Ah non, on est là, Jacques. Là, voilà. Attends, tu fais les comptes avec moi, s'il te plaît. 36 plus 7, 43. 43-35. Bon, merci pour ce finish extraordinaire. 43-35, autant dire 8 points d'écart. Oui. C'est impossible, c'est infaisable. C'est fini. Oh, sifflez-moi ça. Voilà. Ouais, le dernier bulletin.
Le dernier bulletin, je vous rappelle que les bureaux de vote ferment à 8h à Toulouse, donc demain, n'hésitez pas à aller distribuer votre voix, participer à la démocratie, à dire oui ou merde, mais à dire quelque chose. Et c'est fini! Ah. Yes! Yes! Ils l'ont fait! Avec un nombre de points, Jacques, monumental, 43 points, s'il te plaît! Monstruosité. Alors là, ils vont pouvoir se le poser des questions, les Français, là, hein, parce que c'est quand même le gros pagaille dans le rugby moderne. Oui, la gale nous la fout. La gale, le goût du rugby. Ah là, la gale, le goût. C'est un grave problème. Et que les gens comme Foucault ont été... Ah, mais là, ils peuvent toujours se poser la question de savoir comment ils rentrent, parce que là, moi, je leur fournis même pas le taxi, pas le bus. Et même vous rentrez à pied, terminé, vous démerdez, vous êtes plus professionnel, viré. Je pense qu'on va les mettre en tôle, puisqu'il y a une prison dans le Stade de France, si vous ne le saviez pas. Toi, tu le sais. Autre marque qui a un nom à rallonge, c'est Astra Calvé, qui nous sort cette semaine un produit totalement imprononçable. Sportaz ? Non, ça se prononce, ça. Tour de la fin, alors qu'on est. Comme ça s'appelle ? Avec une rupture pré-mécanique. Oh là 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 là, ici, écoutez, nous sommes en train de nous battre avec des chiffres. Avec des chiffres qui vous donnent... Ah, salut Coco, ouais. Alors j'en ai un là. Oui, on a mis le maximum de notre côté. La fièvre afteuse y a joué dans ce match, hein, vous avez fait peur. Yeah, c'est vrai qu'on a fait très peur, la France qui fait des tonnes alors de on merde. Dit que vous arriviez dans les regroupements, vous disiez fièvre afteuse, fièvre afteuse, fièvre afteuse, et les Français ont flippé chaque fois, vous disiez fièvre afteuse, c'est fou ça. Psychologiquement, vous les avez niqué la gueule. Yeah, c'est sûr, c'était un peu facile même. Bravo les Gallois, vraiment superbe partie de leur part, de beaux essais, de bonnes intentions de jeu, une magnifique leçon de rugby. Je dirais même de volonté, d'envie de jouer, comme si tu vois, il y avait quelque chose quand même. Hein. Attention, oui. Commençons. Comme s'ils étaient en phase avec leur sport, c'est ça qui est quand même, qu'on sent plus tellement chez les tricolores, c'est cette phase avec son sport, ils sont plus dedans, bordel. Sportaz, Fony, on vous écoute. Oh, c'est une honte quoi. Quoi ? C'est une honte, c'est le TFC du rugby, quoi. Ouais, d'accord, alors pour ou contre le TFC ? On le commente, on le commente pas ? Pour, mais bon, je sais que ça prend du sol. Bon, d'accord. Commentez-le. Au moins, il y aura des buts. Commentons. Commentez-les. Ok. Bon, ben merci pour tout, hein. Merci pour le soutien, nous serons là donc d'ici quelques minutes, on va faire un petit break, mais là, on est encore là, est-ce que vous allez être encore là, vous ? Il est à quelle heure, le match ? 17h15. Bon d'accord. T'as le temps d'aller acheter des bières. Ok. À tout à l'heure. Nous vous proposons d'effectuer une mise à jour et des différents composants. Il a écouté Sportaz, regarde. Sur votre ordinateur. Méfiez-vous des sons qui traînent. Alors lui, il a mis un paquet de points incalculables aussi. Ouais, des drops, des essais, je crois même qu'il en a mis un petit essai. Encore un là, tu vois, je crois que lui il en a mis, hein. C'est un grand monsieur du rugby, mais ça nous le savions. Ah, Dr Jekyll, ce mon gars, c'est quelque chose. Regarde ça, les photos pour les sponsors. Magnifique, thank you. Come on, girl, come on, well. So switch your tile along, well. Nous étions en direct du Stade de France. Le temps de retrouver le train et la cadence. On se retrouve au Diadium de Toulouse sur la pelouse. C'était Sportaz numéro 409. Le samedi, c'est du rugby. C'est d'environ 30 matchs. Donc on essaie de trouver une ligne directrice qui nous amène progressivement sur 30 matchs de façon à effectivement rentrer dans les normes internationales qui permettent la performance, si vous voulez. On ne peut pas être performant du 1er janvier au 31 décembre dans ce sport qui est un sport de combat, un sport d'engagement. On perd une énergie considérable dans les chocs qui sont aujourd'hui sur le terrain. Tu m'emmerdes un peu. Il a dit qu'il avait la shoot piece au lieu de la frère afteuse. Quand il arrivait dans le regroupement, il disait shoot piece, les joueurs français, ils osaient pas le plaquer parce qu'ils avaient peur de choper le shoot piece, hein, c'est ça, merci. Donc il est évident qu'il faut savoir adapter
des compétitions à des organismes qui sont en souffrance dans certains cas et éviter des risques de dopage éventuels parce que c'est là que tout peut tout basculer. Sportaz, un organisme en souffrance. On va peut-être vous laisser quelques instants puisque visiblement on est parti pour le TFC Lille qui se joue sur une chaîne cryptée, désolé pour ceux qui ne peuvent la voir, mais là c'est peut-être la première fois et la dernière de la vie que nous commenterons le TFC, on ne pouvait pas quand même laisser passer. On a avant tout le souci de la protection du joueur. Bon Jacques, faut qu'on aille changer les crampons, c'est pas les mêmes. N'est que la conséquence de la priorité qui concerne la protection du joueur dans sa santé, dans sa sécurité, dans sa préparation biologique, de façon à éviter des dérives et de rentrer dans des spirales qu'on ne veut surtout pas pour le rugby français.